Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier am Zentrum für interdisziplinäre Forschung. Ich freue mich, dass Sie heute Abend hier sind, um eine wichtige Stimme Tunesiens zu hören. Ich danke Omar Faure, ich sehe ihn im Moment nicht. Oh, ich danke Omar Faure, weil er diesen Abend möglich gemacht hat. Und ich danke selbstverständlich Yad Benajour, dass er diesen Abend mit uns teilen wird. Ein paar Worte zum Zentrum für interdisziplinäre Forschung oder, wie wir es nennen, zum CIF. Das CIF ist eine Einrichtung der Universität Bielefeld, wenn man es technisch ausdrücken möchte, eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung, die einen besonderen Auftrag hat. Dieser Auftrag kommt auch im Namen des CIF zum Ausdruck. Das CIF soll interdisziplinäre Forschung fördern und das geschieht am CIF regelmäßig in Gruppen, denn mehrere Disziplinen in einer Person zu vereinigen, ist sehr, sehr schwer geworden. Das CIF fördert mehrtägige Workshops, es fördert Gruppen von Forschenden, die für einige Zeit am CIF wohnen und arbeiten, um ein bestimmtes Thema aus dem Blickwinkel verschiedener Disziplinen zu beleuchten. Die Forschungsgruppe, die gerade zu Ende geht, hat sich mit den verfassungsrechtlichen Kompromissen zwischen Religion und Säkularität beschäftigt, die speziell die jüngeren Verfassungen kennzeichnen, insbesondere die Verfassungen in Asien, im Mittleren Osten oder in Afrika. Und das ist eine Thematik, die die Forschungsgruppe mit dem heutigen Abend verbindet. Die tunesische Verfassung ist eine der jüngsten Verfassungen der Welt. Und Säkularität und Religion waren besonders schwierig zu balancieren. Im Allgemeinen gibt das CIF, ich kann genauer sein, das wissenschaftliche Direktorium, das CIF keine Vorgaben mit Blick auf die Veranstaltungen, die am CIF stattfinden. Im Allgemeinen ist es so, dass was hier stattfindet, findet statt, weil Forschende an das CIF herantreten mit einer Idee, sie würden gerne etwas verwirklichen. Und dann würde das CIF zustimmen. Nun, das ist die Regel. Von dieser Regel gibt es Ausnahmen. Manchmal ergreift das wissenschaftliche Direktorium die Initiative und versucht, große Persönlichkeiten zu gewinnen. Und dann lädt das CIF zu einem öffentlichen Vortrag ein. Und das ist der Fall, den wir hier vor uns haben. Ich freue mich ganz besonders, Yad Benajour heute hier zu haben. Bevor ich das Wort übergebe, möchte ich Ihnen Yad Benajour vorstellen. Yad Benajour wurde 1945 in Tunesien geboren. Sein Vater war Theologe, aber, und das ist selten, auch ein Mann der Gewerkschaftsbewegung. Yad Benajour ist einer der bekanntesten tunesischen Verfassungsrechtler. Er hat in Tunis und Paris Rechtswissenschaften studiert. Die Promotion erfolgte 1974 in Paris. Danach war er zunächst Professor an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität in Tunis und ein bisschen später dann Professor an der Rechtspolitik- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät. Seine Fachgebiete sind politische, islamische Theorie und öffentliches Recht. In den 1990er Jahren war er Mitglied des tunesischen Verfassungsrates, Conseil Constitutionnel, wenn man das übersetzt, entspricht das in etwa einem Verfassungsgericht. Yad Benajour war, so kann man das glaube ich sagen, in den 90er Jahren ein wortgewaltiger Kritiker und man kann sogar sagen ein Gegner Ben Alis. Im Jahr 1992 hat er die Funktion im Verfassungsrat aus Protest zurückgelegt. Im Mai 2012 wurde Yad Benajour in den Human Rights Council der Vereinten Nationen gewählt. Das ist, wenn man es kurz fassen möchte, ein politisches Gremium auf der Ebene der Vereinten Nationen, ein Gremium, das in Genf tagt, wo die Menschenrechtslage in allen der Staaten der Welt verhandelt wird und auch kritisiert wird. Im Herbst 2012 erhielt Yad Benajour den Internationalen Demokratiepreis der Stadt Bonn. Das ist ein Preis, der für besonderes Engagement für die Demokratie und die Menschenrechte verliehen wird. In den letzten Jahren war Yad Benajour in der Tat wieder verfassungspolitisch tätig, und zwar in einer herausgehobenen Position. Anfang des Jahres 2011
wurde Yad Benajour vom Ministerpräsidenten Tunesiens mit dem Vorsitz einer Kommission betraut, die den Auftrag hatte, eine neue Verfassung auszuarbeiten. Und das war, das können wir uns alle vorstellen, keine einfache Aufgabe. Ben Ali war im Januar 2011 mit breiter Unterstützung der Bevölkerung verjagt worden, nachdem ein junger Händler an den Verletzungen gestorben war, die er sich durch eine Verbrennung selbst zugefügt hatte. Der Aufstand der tunesischen Bevölkerung hat den arabischen Frühling eingeleitet. Freilich, das Verjagen eines Diktators ist eine Sache, die Umwandlung eines Landes in eine Mehrparteiendemokratie eine andere. In der New York Times vom 22. Februar 2011, also da waren die Dinge gerade in vollem Schwunge, wurde ein sehr skeptischer Yad Benajour mit folgenden Worten zitiert: "We might lose our freedom because we have become too drunk on freedom." Eines der großen Probleme zu Beginn des Jahres 2011 war wohl, dass in dieser Phase des Umbruchs viele Stimmen in der Öffentlichkeit vieles versprachen. Und auch danach blieb die Rolle der Religion im Staat und die Rolle der Religiösen umstritten. Die Wahlen zur verfassunggebenden Versammlung vom Oktober 2011 stärkten eine religiöse Partei, Ennahda. Und in der Anfang 2014 verabschiedeten Verfassung mussten eine Reihe von Kompromissen getroffen werden und gefunden werden. In der jüngeren Vergangenheit war Tunesien vor allem aus zwei Gründen in den westlichen Medien vertreten. Zum einen, so wurde behauptet, weil junge Männer aus Tunesien für den Islamischen Staat besonders leicht zu rekrutieren seien. Und zum anderen, weil die religiöse Partei, Ennahda, bei den Wahlen vor einer Woche beträchtlich geschwächt wurde. Yad Benajour hat diese politischen Prozesse als Augenzeuge, aber auch als ein wichtiger Akteur in diesen Prozessen begleitet. In Tunesien selbst ist Yad Benajour nicht unbestritten. Die Religiösen werfen ihm vor, nicht religiös genug zu sein und außerdem zu frankophon zu sein. Heute können wir ihn selbst hören, heute können wir ihn selbst dazu befragen. Begrüßen wir Yad Benajour. Merci. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour les mots que vous venez de prononcer et de remercier également le TIFF pour me donner cette occasion et me faire l'honneur également d'être parmi vous ce soir pour vous parler de mon pays et de la constitution qu'il a élaborée. Je vous remercie également d'être si nombreux présents ce soir. Et le sujet sur lequel je vais parler, c'est la naissance d'une constitution en temps de révolution. Voilà son titre. Je commencerai par une observation d'ordre général. Naissance d'une constitution en temps de révolution. Le titre semble en lui-même contradictoire, parce que constitution et révolution donnent l'apparence d'être deux concepts antagonistes. En effet, une révolution se construit contre une constitution. Une révolution est une violation de la Constitution, par définition. Elle viole la Constitution et donc l'ordre constitutionnel établi par un État. Par conséquent, par définition, une Constitution est un phénomène antijuridique. Comment donc peut-on parler de l'élaboration d'une constitution
en temps de révolution. Le sujet semble contradictoire, effectivement, pour la raison que je vous indiquais il y a un instant, c'est que les deux phénomènes du droit et de la révolution ne vont pas ensemble. Et je dirais que les révolutions, en général, n'ont pas beaucoup d'égards, n'ont pas beaucoup de respect pour le droit. En tout cas, n'ont pas de respect pour le droit qui existe, qui est là, et notamment la Constitution. Et ce que je voudrais vous expliquer ce soir, c'est que précisément l'une des originalités de la Constitution de la Tunisie, l'une des originalités de la Tunisie, c'est qu'elle a voulu assumer sa révolution en l'organisant juridiquement, en la régulant, en évitant surtout les gouvernements de fait. Je pense que c'est là la caractéristique essentielle de la révolution tunisienne. Et pour vous montrer ce phénomène, je vais attaquer mon problème à deux niveaux. Donc il y aura deux grands axes dans mon exposé. Tout d'abord, j'essaierai de voir la question constitutionnelle après la Révolution, c'est-à-dire au lendemain immédiat de la Révolution, ça sera l'objet de ma première partie, et ensuite, dans le deuxième axe de mon exposé, je parlerai avec vous des travaux de l'Assemblée nationale constituante face aux crises politiques. Alors, voyons d'abord comment s'est posée la question constitutionnelle au lendemain immédiat de la Révolution, c'est-à-dire au cours de l'année 2011, puisque la Révolution s'est achevée par le départ, par la fuite du dictateur. Qu'a-t-on fait au cours de cette année 2011 pour assumer cette Révolution et préparer la venue de cette Assemblée nationale constituante ? Ce que nous observons en Tunisie, c'est que la question constitutionnelle a toujours été, dès les premiers moments, au centre des événements, au cœur des événements, et même au cœur des débats. Et le problème central pour les Tunisiens, et notamment pour les gouvernements qui ont suivi la révolution, c'était de savoir comment assumer cette révolution en sauvegardant la continuité de l'État, c'est-à-dire la continuité institutionnelle. Autrement dit, comment faire pour éviter ce que j'ai appelé et ce que les juristes appellent les gouvernements de fait, c'est-à-dire les gouvernements qui ne reposent sur aucune règle juridique, qui reposent sur le vide juridique. Comment éviter cette situation ? Regardez un peu l'actualité. Prenons l'exemple du Burkina Faso, très récemment. N'est-ce pas ? Il y a eu la chute d'un dictateur qui voulait modifier la Constitution, etc. Mais cette chute a été suivie d'un coup d'État militaire. Par conséquent, suivie d'un gouvernement de fait. La Constitution a été ignorée. Ce que les Tunisiens ont essayé de faire, c'est précisément d'éviter ces gouvernements de fait à tous les moments de l'évolution entre la révolution et l'adoption de la Constitution. Et ceci est assez paradoxal. Ceci est assez paradoxal pour la raison que je vous indiquais tout à l'heure. La révolution et le droit n'étant pas deux phénomènes amis, n'étant pas deux phénomènes similaires, étant même deux phénomènes contradictoires, comment la Tunisie a-t-elle fait pour maîtriser sa révolution par les mécanismes du droit, alors que la révolution, par définition, viole en toute légitimité la constitution du pays? Et donc, la caractéristique de la Tunisie, c'est qu'elle a voulu concilier à la fois la légitimité révolutionnaire et la légalité. Autrement dit, concilier les deux logiques révolutionnaires
et institutionnelle. Et pour vous le démontrer, je vais analyser avec vous, pas à pas, tout doucement, le processus révolutionnaire. Tout à l'heure, notre présidente l'a dit, la révolution a commencé avec un suicide, c'est-à-dire un événement qui a déclenché la révolution. En fait, la révolution se préparait. Le régime était contesté depuis très longtemps, avant la révolution. Il y a eu la grève de la faim de 2005, qui a uni les islamistes et les partis de gauche. Il y a eu la révolte du bassin minier. Même sous Bourguiba, il y a eu des révoltes, etc. Donc la révolution n'est pas née de rien. Il y a quelque chose qui l'a préparé. Et puis il y a eu cet événement, cet incident du suicide par le feu de Mohamed Bouazizi, qui a déclenché dans le pays tout entier une protestation massive avec des manifestations et puis une répression qui a abouti à 300 morts quand même, qui a laissé 300 morts et plusieurs centaines de blessés. Mais cela a fini par la chute du régime, c'est-à-dire la fuite de Ben Ali et la victoire de cette révolution par l'effet de la chute de Ben Ali. Et la chute de Ben Ali, c'est une chute qui d'abord a été symbolique parce que le pouvoir a perdu sa crédibilité. Ensuite, elle est devenue politique lorsque le dictateur a fui. Et enfin, elle est devenue juridique par le mécanisme que je vais vous décrire maintenant. Alors, le phénomène le plus extraordinaire, c'est que immédiatement après la chute de Ben Ali, c'est l'application de la Constitution de 1959, donc la Constitution qui venait être contestée par la Révolution, qui a permis la continuité du pouvoir. Autrement dit, c'est par le jeu de l'article 57 de l'ancienne Constitution de 1959 que le nouveau président de la République a été désigné à la présidence. Et ce président de la République n'était autre que le deuxième personnage de l'État sous la dictature, puisqu'il était le président de la Chambre des députés, le président du Parlement. Alors nous avons quelque chose de très curieux. Nous avons une révolution, nous avons la chute d'un régime, la fuite d'un dictateur, et par le jeu de l'ancienne Constitution, un nouveau président qui s'établit à la présidence de la République, donc à la tête de l'État, et qui est un homme de l'ancien régime. Vous allez peut-être être étonné, mais je peux vous dire que c'est cela qui a sauvé la Tunisie de la guerre civile. La révolution, contrairement à ce qui s'est passé en Syrie, contrairement à ce qui s'est passé en Irak, en Libye, etc., a eu une chance historique. C'est qu'en devenant président de la République, l'ancien président de la Chambre des députés n'avait qu'une seule politique à suivre, celle de la modestie. Il ne fallait pas qu'il fasse entendre parler de lui, il fallait que, comme on dit en français, qu'il fasse le dos rond, qu'il se fasse oublier. Si vous imaginez une seconde que l'un des protagonistes de la Révolution avait été nommé président de la République, eh bien, on aurait eu un tout autre scénario, peut-être un scénario chaotique, parce que ce président venu de la Révolution aurait été contesté par ses collègues également venus de la Révolution, et il aurait peut-être eu des projets de grandes réformes révolutionnaires, il aurait peut-être été tenté d'imposer ses vues à la société et on aurait pu avoir donc un scénario qui aurait mené le pays vers des hypothèses de violence et de conflit. Le fait que, par l'application de l'article 57 de l'ancienne Constitution, le deuxième personnage de la dictature soit devenu le président de la République, l'a incité à être totalement neutre, tranquille, silencieux, et à suivre
ce que lui dictait le peuple de la Révolution. Et donc, c'est ce paradoxe entre la logique révolutionnaire et la logique institutionnelle qui a joué. Nous avons eu une sorte de synthèse des deux logiques qui ont permis à la Tunisie de passer petit à petit de la révolution vers la transition, vers la constitution, et maintenant, aujourd'hui, vers la fin de la période transitoire et la mise en application de la nouvelle constitution avec un gouvernement permanent, travaillant à l'ombre d'une constitution durable, d'une constitution permanente. Donc voilà un premier élément. C'est l'ancienne constitution et son article 57 qui a permis à un personnage de l'ancien régime de devenir président de la République. Une rupture, la révolution. Une continuité, un homme de l'ancien régime qui devient président de la République. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Car la Chambre des députés n'avait plus aucune crédibilité. Elle ne pouvait plus voter les lois, avant même d'être suspendue. La Chambre des conseillers, qui est l'équivalent du Sénat, d'une deuxième chambre en Tunisie, même chose. Qu'a-t-on fait pour assurer la continuité des lois ? Et là encore, vous allez être étonné. C'est l'ancienne assemblée, les deux assemblées, qui, au cours de leur dernière réunion, le 7 et le 8 février 2011, ce fut là leur dernière réunion, ont délégué le pouvoir législatif au président de la République. Autrement dit, le président de la République, appartenant à l'ancien régime, est devenu le président de la Révolution et en même temps le législateur. Le législateur, puisque la Chambre des députés ne pouvait plus faire les lois, la Chambre des conseillers, donc le Sénat tunisien, ne pouvait plus également faire les lois, qui allait faire les lois ? Eh bien, les deux assemblées, avant de mourir, ont délégué leur pouvoir, leurs compétences législatives, leurs compétences parlementaires au président de la République. Et ce président de la République est devenu le législateur de la Tunisie post-révolutionnaire. Avouez quand même avec moi, reconnaissez avec moi, qu'il s'agit là d'événements paradoxaux. Une révolution qui se donne des dirigeants appartenant à l'ancien régime. Et juridiquement, ce n'est pas un gouvernement de fait. Le président de la République a été désigné sur la base de l'article 57 de l'ancienne Constitution et les deux chambres ont délégué leur pouvoir, ont délégué leurs compétences au président de la République sur la base de l'article 28 de l'ancienne Constitution. C'est un phénomène extraordinaire, très rare dans l'histoire du monde. Qu'une révolution institue des gens de l'ancien régime pour la diriger. Et je peux vous dire, entre parenthèses, que c'est là l'une des explications de la réussite. Donc, ce Parlement, ces deux chambres du Parlement, délèguent leurs compétences législatives au président de la République, et sur la base de ces compétences législatives, le président de la République prend un décret-loi, on appelle ça des décrets-lois, n'est-ce pas, l'exercice de la compétence du Parlement par le président de la République, dans notre terminologie juridique, cela s'appelle des décrets-lois. Le président de la République prend un décret-loi pour créer la haute instance de la Révolution, que j'ai eu l'honneur de présider. La haute instance de réalisation des objectifs de la Révolution a été créée par un décret-loi du 18 février 2011. Et cette institution devait protéger la Révolution et devenir l'expression de la Révolution. Car qui était présent dans cette
haute instance de la révolution, il y avait tous les partis politiques de l'opposition, le parti Ennahda, le CPR, le parti Takatol, le parti de MDS, l'ancien parti des démocrates socialistes, etc. Le POCT, qui était représenté d'ailleurs par Chokri Belaïd au sein de la haute instance. Donc tous les partis de l'opposition à l'ancien régime, à la dictature, étaient présents dans la haute instance de la révolution. Il y avait des personnalités qui étaient nommées sur la base de leur position vis-à-vis de l'ancien régime. C'était des opposants à l'ancien régime, donc des personnalités nationales. Et puis il y avait des associations, également des associations opposantes à l'ancien régime de Ben Ali. Par exemple, l'Association des femmes démocrates, la Ligue tunisienne des droits de l'homme, l'Association des magistrats tunisiens, et puis alors il y avait l'UGTT, surtout il y avait l'Union générale des travailleurs tunisiens. Et cette institution qui devait protéger la révolution et qui devait fabriquer les nouvelles lois de la révolution, elle a été instituée par un décret-loi présidentiel d'un homme qui provenait quand même de l'ancien régime. Et alors, nous avons un paradoxe extraordinaire, c'est que non seulement les nouveaux gouvernants appartiennent à l'ancien régime, mais au sein des institutions qui allaient diriger la Tunisie, il y avait également une contradiction. Une contradiction entre quoi et quoi ? Une contradiction entre la présidence et le gouvernement d'un côté. Je vous dis, la présidence et le gouvernement au mois de janvier et de février appartenaient à l'ancien régime, puisque c'est Ghannouchi, le Premier ministre, et le président de la République était M. Mbazak, tous les deux appartenaient à l'ancien régime. Le Mohamed Ghannouchi a été pendant 10 ans le Premier ministre de Ben Ali. Et il s'est retrouvé à la tête du gouvernement en janvier et février, jusqu'au 27 février 2011. Donc nous avions d'un côté des institutions qui étaient incarnées par des hommes appartenant à l'ancien régime, et au sein même du pouvoir, une autre institution qui est la haute instance de la révolution, qui représentait réellement la révolution, parce que dans cette instance, il y avait les partis politiques qui ont été réprimés, exclus, torturés par le dictateur. Et c'est cette haute instance de la révolution qui a élaboré les 6 grandes lois de la libération du pays. Tout d'abord, la loi électorale qui a permis l'élection de l'Assemblée nationale constituante. Ensuite, la loi sur l'instance supérieure, indépendante, sur l'instance électorale, la haute instance électorale indépendante, l'ISI, la première ISI, qu'a dirigé notre ami Kamel Jandoubi, la loi sur la liberté des associations, la loi sur les partis politiques, la loi sur la liberté des médias, la liberté de la presse écrite et la loi sur la liberté des médias. Autrement dit, ces 6 lois, qui sont toujours valables aujourd'hui encore en Tunisie, ont été réellement les lois de la libération du pays. Et quand on les a portées au président de la République, voilà où la Tunisie a eu de la chance, la main invisible, n'est-ce pas ? La main invisible, elle ne se trouve pas uniquement chez les économistes. Je crois qu'il faut maintenant la faire jouer au niveau des juristes. C'est cette main invisible qui explique que les choses se soient passées ainsi. Il y a eu une chance historique extraordinaire et très paradoxale qui fait que lorsque ces lois, élaborées par la haute instance de la Révolution, étaient présentées au président de la République, eh bien le président de la République n'avait qu'un seul choix, c'est de la signer, de la transformer en décret-loi, puisqu'il avait le pouvoir législatif, et de la faire publier au journal officiel de la République tunisienne. C'est un phénomène extraordinaire, c'est un phénomène très curieux, qui fait que tout est dans tout, n'est-ce pas ? Tout est dans tout. La révolution, elle est dans les institutions, et les institutions reçoivent et expriment juridiquement la révolution alors qu'ils n'appartiennent pas génétiquement
au processus révolutionnaire. Et puis après, alors, pour suivre les événements, il y a eu le dernier acte, encore un décret-loi, donc signé par le président de la République, un décret-loi qui suspend la Constitution de 1959, partiellement, qui ne la suspend pas entièrement, c'est-à-dire un décret-loi daté du 23 mars 2011, oui, le décret-loi numéro 14 du 23 mars 2011, publié au Journal officiel, qu'on a appelé la première petite constitution, qui organise les pouvoirs publics d'une manière provisoire, qui dissout l'Assemblée, la Chambre des députés, qui dissout l'ancienne Chambre des députés, qui dissout le Sénat, qui dissout le Conseil constitutionnel et qui dissout également le Conseil économique et social. Autrement dit, ce décret-loi, qui est un décret-loi institutif, qui n'a pas été pris sur la base de la délégation du pouvoir législatif au président de la République. C'est un décret-loi qui repose sur la seule nécessité. Et c'est ce décret-loi donc qui a mis fin partiellement à la Constitution de 1959 en procédant à la dissolution des institutions principales de l'ancienne Constitution de 1959 et en organisant provisoirement les pouvoirs publics. Eh bien, en organisant provisoirement les pouvoirs publics, ce décret-loi a institué un président de la République, un gouvernement, un premier ministre. Il a confié l'élaboration des lois à la haute instance de la Révolution et c'est comme ça qu'on a pu réussir le cadre juridique qui a préparé la voie à l'élection de l'Assemblée nationale constituante. Puisque le cadre juridique de l'Assemblée nationale constituante a été élaboré au sein de la haute instance de la Révolution, et il a été présenté, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, sous forme de projet de décret-loi au président de la République, et le président de la République n'a fait que signer et ratifier ces projets de décret-loi et les a publiés au Journal officiel de la République tunisienne. Par conséquent, nous avons un phénomène extrêmement curieux qui est fait à la fois de rupture et de continuité. Et la rupture et la continuité sont ensemble. Ils avancent en même temps, ils avancent parallèlement. Phénomène de rupture, bien sûr, la Révolution, mais également le décret-loi numéro 14 du 27 mars, que j'ai cité tout à l'heure, du 27 mars 2011, qui, n'ayant pas de base juridique, ne pouvait que reposer sur la volonté du peuple et sur le déroulement de la Constitution. Et dans le préambule de ce décret-loi, il n'est pas fait allusion à l'ancienne Constitution de 1959, mais à la volonté du peuple, à la Révolution, à l'esprit de la Révolution, etc., etc. Et c'est sur la base donc, de ce décret-loi du 27 mars 2011 qu'ont été préparées les élections de l'Assemblée nationale constituante. Entre parenthèses, je voulais vous rappeler que, dans un premier temps, les élections de l'Assemblée nationale constituante étaient prévues pour juillet 2011, mais que, devant l'impossibilité d'organiser ces élections dans un climat favorable, nous avons été obligés de les retarder à octobre 2011. Et les élections ont eu lieu le 23 octobre 2011 et elles ont donné les résultats que vous connaissez, c'est-à-dire que le parti d'inspiration religieuse, le parti de la Nahda, a emporté 41% des sièges de l'Assemblée nationale constituante. Et alors là,
la société est rentrée dans une grande peur, dans une grande confrontation, parce que nous avions un parti qui avait des tendances, des ambitions, une idéologie qui n'était pas partagée par tous, qui était loin de faire l'objet d'un consensus. Et je vous rappelle qu'aux premières réunions de l'Assemblée nationale constituante, un certain nombre de dirigeants du parti Ennahda, du parti majoritaire, ont pris des initiatives qui ont fait peur à la société tunisienne. Par exemple, l'un d'eux a voulu, dès les premières réunions de l'Assemblée nationale constituante, rétablir les peines coraniques en Tunisie, c'est-à-dire appliquer les peines du système juridique musulman, comme l'amputation pour certains délits, comme la lapidation, par exemple pour l'adultère, comme l'amputation des mains pour le vol, etc. Donc des peines bibliques reprises par le Coran. Et ce député a dit, d'ailleurs pour menacer les ouvriers qui faisaient grève, pour leur dire que la grève et l'insoumission peuvent être considérées comme des actes punis par les peines coraniques, et que donc il fallait faire attention. Il y a eu d'autres initiatives qui ont été prises dans ce sens-là. Par exemple, il y a eu une tentative d'inscrire la charia comme source de la loi, comme source de la loi. Donc il y a eu des projets pour inscrire la charia, pour inscrire dans la Constitution la charia comme source du droit. Et il y a eu d'autres tentatives, par exemple, à un certain moment, on a voulu inscrire dans la Constitution que l'atteinte au sacré pouvait être pénalement sanctionnée. Tout cela a fait peur à la société, mais ce qu'il faut signaler, c'est que sur le plan juridique, le droit n'a jamais été absent de la scène, puisque c'est le phénomène juridique qui a permis le passage d'une étape à une autre étape sans discontinuité. Le régime est tombé. Ben Ali a fui. La Constitution de 1959 a permis l'installation de nouvelles institutions, notamment le président de la République. Et le président de la République, avec l'instance de réalisation des objectifs de la Révolution, l'IROR, le président de la République, avec l'IROR, a fait ce qu'il fallait faire pour réussir les élections de 2011. Il y a eu des difficultés, il y a eu des conflits, il y a eu des menaces, il y a eu des violences, mais on est quand même arrivé, par le mécanisme juridique, à faire passer la révolution d'une étape à une autre sans guerre civile, dans la paix, parce que le droit, c'est la paix. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé aux élections de l'Assemblée nationale constituante. Et la chose sur laquelle je voudrais beaucoup insister, c'est l'idée que le phénomène juridique n'a jamais été absent au cours de cette période. Nous sommes passés d'une période à l'autre sans discontinuité constitutionnelle, sans gouvernement de fait. Ceux qui ont gouverné ont toujours gouverné avec une base juridique. Bien. Alors, nous arrivons maintenant à la deuxième période, et je commence là le deuxième axe de ma présentation. Élection de l'Assemblée nationale constituante. L'élection de l'Assemblée nationale constituante, je vous ai parlé de ses résultats tout à l'heure, l'Assemblée constituante a été désignée pour faire une constitution pour la nouvelle Tunisie, pour la nouvelle République, c'est-à-dire pour la Deuxième République. Or, l'Assemblée nationale constituante a eu plusieurs problèmes à résoudre, a eu plusieurs difficultés devant elle. Les premiers problèmes sont des problèmes relatifs au mandat et aux compétences de l'Assemblée nationale constituante. Les deuxièmes problèmes,
La deuxième série de problèmes, ce sont des problèmes relatifs à la légitimité même de l'Assemblée nationale constituante. Et le troisième type de problème, c'est qu'il a fallu faire un choix de société entre le gouvernement démocratique et le gouvernement théocratique. Alors voyons ces problèmes un à un, suivons-les un à un. Je commence par le premier problème, les problèmes du mandat et des compétences de l'Assemblée nationale constituante. Juste avant l'élection de l'Assemblée nationale constituante en octobre 2011, plusieurs voix se sont élevées en Tunisie pour dire « Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Nous allons élire une Assemblée nationale constituante. Nous ne lui avons pas défini de mandat. Nous n'avons pas limité son temps d'activité, son temps d'exercice. Nous ne lui avons pas limité un mandat. Un an, deux ans, trois ans, quelques mois, nous ne l'avons pas dit. Et donc, nous allons livrer la Tunisie aux mains d'une Assemblée nationale constituante qui n'a pas de limite de mandat, donc qui n'a pas de limite de délai, et qui n'a pas de limite de compétence. Cette Assemblée pourra tout faire. Et donc, à ce moment-là, c'était en septembre 2011, je peux dire même août et septembre 2011, une idée a germé au sein de plus de 42 partis politiques en Tunisie, qui sont allés voir le Premier ministre, M. Beji Caïd Essebsi, en lui disant « Écoute, il est impossible de lancer une assemblée constituante comme ça, dans l'inconnu, sans lui limiter son mandat et sans déterminer précisément ses compétences. » Et comme ils étaient plus de 42 partis politiques, je peux vous dire que le Premier ministre a commencé à flancher. Je l'ai vu flancher, puisque à l'époque, je participais directement à la vie publique au niveau de l'État. Je l'ai vu flancher. Et je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec lui. Il m'a dit « Écoute, ils ont raison, ces partis. On ne peut pas lancer une Assemblée nationale constituante dans le vide. » Elle pourra tout faire. Et donc, il faut limiter son temps, d'abord, délimiter son temps et ses compétences. Moi, j'ai tout de suite vu le danger. Et je vais vous dire comment j'ai vu le danger. J'ai compris que c'était très dangereux de retarder les élections, parce que déjà, lorsque les élections ont été retardées du mois de juillet 2011 au mois d'octobre 2011, la terre a tremblé en Tunisie. Les gens ont protesté, ont vu de la manipulation, ont dit les gens de la haute instance sont en train de manipuler pour gagner du temps. Les gens de l'ancien régime qui étaient encore présents dans les institutions de l'État, puisque je vous l'ai expliqué, n'est-ce pas, sont en train de monter des complots pour arrêter la révolution, etc., etc. Et le bruit a commencé à enfler, à enfler. Uniquement parce que nous avons retardé de quelques mois la date des élections. Entre juillet et octobre, il y a quand même quelques mois, ce n'est pas très difficile, on pouvait attendre. Mais ça a été très très mal perçu et très mal accepté. Mais à la fin, et après beaucoup de tractations, tout le monde a fini par accepter le report des élections. Mais si on avait dit en octobre ou en septembre, si on avait dit « on va encore retarder les élections pour organiser un référendum », je suis sûr que la Tunisie aurait gagné, aurait été dans la guerre civile, comme en Syrie. Et donc, conscient de ce danger, j'ai pu, par des opérations de conviction, de séduction, et puis peut-être parce qu'il y a la chance qui a été de notre côté, j'ai pu réunir les 11 partis les plus importants du pays, la Nahda, le Takatol, le POCT, Chokri Belaïd était présent avec nous, le représentant de la Nahda, Ali Al-Araïd, était présent dans cette commission, le MDS, le parti, donc la Nahda, je l'ai dit,
Le CPR, non, le CPR a participé aux négociations, mais n'a pas signé ensuite le document. Bref, tous les partis importants de la Tunisie, le PDP, qui est devenu le Jomhouri, tous les partis importants de la Tunisie étaient présents. Nous avons travaillé au cours du mois d'août et jusqu'au 12 septembre 2011, donc à peu près un mois. Nous avons exactement tenu 6 séances avec l'ensemble de ces partis, et c'est moi qui présidais les réunions. Et on s'est mis d'accord sur une déclaration. C'est la fameuse déclaration du 15 septembre 2011. Nous l'avons terminée le 12 septembre, et nous avons organisé avec l'ensemble des partis, de tous les partis tunisiens, avec Rached Ghannouchi qui était le président et qui est toujours le président de la Nahda, avec Chokri Belaïd, avec Mostafa Ben Jaafar, le président du Takatol, et tous les restes, les partis les moins importants, donc ils étaient 11, ils ont signé publiquement ce document du 15 septembre 2011 qui s'appelle la déclaration du processus transitoire. La déclaration du processus transitoire. Erlen al-Masar al-Intiqali en arabe. Ils l'ont signé, et qu'y avait-il dans ce document? Dans ce document, on avait limité le mandat de l'Assemblée à 1 an. Donc les partis se sont engagés à ne pas dépasser 1 année. Et nous avons également limité les compétences de l'Assemblée essentiellement aux compétences constitutionnelles. Le jour même, je suis allé présenter cette feuille au Premier ministre. Et le Premier ministre m'a dit, bon, s'il y a un engagement écrit, s'il y a un engagement écrit des partis politiques, nous n'avons plus besoin d'organiser un référendum, nous allons tenir les élections à leur date, le 23 octobre 2011. Et c'est ainsi que l'idée du référendum s'est volatilisée. Le lendemain, au lendemain de la signature de cette déclaration, du 15 septembre 2011, plus personne n'a parlé du référendum, et nous avons donc tenu et organisé les élections du 23 octobre 2011. Mais où est le problème? Eh bien, le problème, le premier grand problème de l'Assemblée nationale constituante, c'est qu'elle n'a pas respecté ce délai. Puisque le délai devait se terminer le 23 octobre 2012. Or, l'Assemblée nationale constituante est encore jusqu'aujourd'hui existe toujours jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle a dépassé très nettement le délai sur lequel les partis politiques s'étaient mis d'accord. Et donc voilà le premier problème que l'Assemblée nationale constituante a eu à gérer, le problème du mandat et le problème des compétences. Et malheureusement, sur ces deux questions, l'Assemblée nationale constituante n'a pas respecté les engagements que les partis politiques ont pris pour elle, elle n'a pas respecté le mandat d'un an, et elle a transformé l'Assemblée nationale constituante en Assemblée parlementaire. Autrement dit, elle a continué à élaborer la Constitution, mais à côté de la Constitution, elle s'est reconnue le pouvoir législatif, et donc elle s'est transformée en Parlement. Et ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème est le problème de la légitimité. L'Assemblée nationale constituante a été démocratiquement élue. Nous sommes tout à fait d'accord. Personne n'a contesté les élections de 2011. Elle a été démocratiquement élue. Les élections étaient sincères. Bon, il y a eu quelques petits problèmes mineurs, mais personne n'a remis en cause fondamentalement les élections de 2011. Donc l'Assemblée nationale constituante était correctement et démocratiquement élue. Elle a donné la majorité que vous connaissez, mais c'est une majorité, celle de la Nahda, démocratiquement élue. Personne ne le conteste. Où est venue et d'où est venue la contestation de la légitimité de cette Assemblée? Eh bien, c'est précisément
lorsque l'Assemblée a dépassé son mandat d'un an et lorsque elle s'est transformée en Assemblée parlementaire par l'effet de la petite constitution du 16 décembre 2011. Le 16 décembre 2011, l'Assemblée nationale constituante a voté un texte d'organisation provisoire des pouvoirs publics, donc le deuxième texte dans l'histoire récente de la Tunisie organisant provisoirement les pouvoirs publics. Et dans ce texte du 16 décembre 2011, d'abord, elle n'a pas parlé de son mandat, elle a laissé le mandat ouvert, et deuxièmement, elle a, à côté de ses compétences constitutionnelles, elle a ajouté des compétences législatives. Et quand elle a dépassé son terme, quand elle a dépassé le délai sur lequel on était politiquement d'accord, c'est-à-dire le 23 octobre 2012, à ce moment-là, certaines voix se sont élevées, notamment celle de Bejikaït Sepsi, le vainqueur actuel des élections législatives, qui a dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette Assemblée qui ne respecte pas ses engagements, qui dépasse ses compétences, qui dépasse son mandat ? Il faut dissoudre l'Assemblée. » Dissoudre l'Assemblée, mais... Dissoudre une Assemblée démocratiquement élue, une Assemblée constituante, une Assemblée qui devait faire la nouvelle Constitution de la Tunisie, vous vous imaginez ? Donc, l'idée a été lancée, si vous voulez, pour provoquer la polémique. Mais, en réalité, le résultat de cette contestation de la légitimité de l'Assemblée nationale, ça a été de transformer le principe majoritaire et d'abandonner le principe majoritaire au profit d'un nouveau principe qui est le principe consensuel. Autrement dit, à partir de l'année 2012, quasiment tous les responsables, y compris ceux du parti majoritaire, étaient d'accord pour que les décisions soient prises non pas sur le principe de la majorité électorale représentée au Parlement, mais sur la base du consensus. At-tawafuq, en arabe, on appelle ça le tawafuq. Et il y a eu donc une transformation du principe de la légitimité. Cette Assemblée démocratiquement élue, au suffrage universel, direct, secret et sincère, n'a plus pu utiliser politiquement, a été empêchée d'utiliser son principe de légitimité au profit d'un autre principe qui est le principe du consensus. Donc, il y a eu un problème de légitimité que l'Assemblée a eu à résoudre. Et cette contestation de la légitimité de l'Assemblée nationale constituante, démocratiquement élue, s'est accentuée au cours de l'année 2013. Parce qu'au cours de l'année 2013, il s'est passé deux événements très importants dans la vie politique tunisienne, et malheureusement, ces deux événements sont des événements tragiques, parce qu'il s'agit de deux assassinats. Le premier, le 6 février 2013, l'assassinat de Chokri Belrhid, qui est un grand militant de l'extrême-gauche tunisienne, un homme charismatique, un homme qui, grâce à son charisme, passait à la télévision, a attiré les foules, etc. Donc, le 6 février 2013, l'assassinat de Chokri Belrhid, et le 25 juillet 2013, toujours, l'assassinat de Mohamed Brahmi, député à l'Assemblée nationale constituante. Ces deux assassinats, politiquement, évidemment, ont été exploités par tous les opposants à la Troïka, c'est-à-dire Nahda, CPR et Takatul. Tous les opposants se sont emparés de ces deux événements pour dire que le gouvernement et l'Assemblée nationale constituante étaient responsables de ces assassinats. Pourquoi ? Parce que le gouvernement n'a pas su gérer le phénomène terroriste, qu'il a commencé à négocier avec les salafistes, négocier avec les djihadistes, essayer de les manipuler, essayer de les utiliser comme force électorale, etc., etc., de telle sorte que
Les deux assassinats ont été imputés au parti majoritaire, la Narda et ses deux alliés dans la Troïka. Et ça a été fatal pour la légitimité du gouvernement et de l'Assemblée nationale constituante. Au cours de l'année 2013, donc au cours de l'été passé, il y a eu des manifestations monstres en Tunisie, des manifestations qui ont parfois mobilisé 400 000 personnes. Les plus petites manifestations mobilisaient des dizaines de milliers de personnes. Il y en a eu trois fondamentales au cours du mois d'août 2013. Les grandes manifestations du 6 août, la manifestation du 13 août et la semaine de manifestation du 24 août. Autrement dit, tout le mois d'août était un mois de protestations massives. Et ces protestations ont entraîné deux choses sur le plan juridique qui sont extrêmement importantes. D'abord, elles ont entraîné le retrait d'une soixantaine de députés de l'Assemblée constituante qui ont suspendu leur activité au sein de l'Assemblée. Et ça a touché le crédit de l'Assemblée d'une manière directe. D'une manière tellement directe que le président de l'Assemblée nationale constituante a été obligé de suspendre les travaux de cette Assemblée. N'est-ce pas ? Au début du mois d'août, le président de l'Assemblée a suspendu les travaux de l'Assemblée. Il l'a mise en veilleuse. Et il est resté plus d'un mois en veilleuse sans aucune activité. Donc, voilà le premier effet. C'est un effet qui a porté atteinte à la crédibilité de l'Assemblée, qui était déjà très atteinte. Et le deuxième effet, c'est que l'ensemble des forces en présence ont demandé la démission du gouvernement Nahdawi, c'est-à-dire du gouvernement qui avait la majorité au sein de l'Assemblée. Et comme ce résultat ne pouvait pas être obtenu au sein de l'Assemblée, puisque l'Assemblée représentait la majorité, elle représentait les Nahdawi et les deux autres partis. Donc, ce n'est pas l'Assemblée qui a voté la méfiance ou la défiance vis-à-vis du gouvernement, c'est le gouvernement qui a été obligé, par la foule des manifestants, de présenter sa démission. Et donc, le gouvernement a assuré le vote de la Constitution très rapidement, d'ailleurs. Le vote final de la Constitution s'est fait d'une manière très rapide et a tout de suite démissionné après le vote de la Constitution le 27 janvier 2014. Et à partir de là, on a institué un gouvernement qu'on appelle un gouvernement de technocrates, en fait un gouvernement de compétences, en arabe on appelle cela « hukoumat kafa'at », pour gérer le pays jusqu'aux élections qui viennent d'avoir lieu. Donc ce gouvernement a remplacé le gouvernement de la Troïka, alors que l'Assemblée nationale constituante était dominée par les islamistes et les deux autres partis de la Troïka. Et on a vu un autre phénomène se développer. Sur le plan juridique, c'est extrêmement important. Nous avons vu un phénomène qui est le phénomène du dépassement ou du contournement des procédures juridiques par des procédures informelles. Autrement dit, les procédures informelles, sans remettre en cause le droit, sont venues le contourner. Et c'est le fameux phénomène du dialogue national. Autrement dit, pour assurer la démission du gouvernement, le remplacement du gouvernement de la Troïka par un gouvernement neutre, par un gouvernement de technocrates, le vote de la loi électorale, l'organisation des élections qui viennent d'avoir lieu et des élections qui vont venir, c'est-à-dire des élections présidentielles, parce que les dernières élections qui ont eu lieu, ce sont les élections législatives. Mais à partir du 26 novembre prochain et au mois de décembre, nous allons avoir les élections présidentielles. Tout cela va être organisé par le gouvernement neutre, le gouvernement indépendant que préside actuellement Simahdi Jamaa et qui est le gouvernement de compétence. Et donc tout cela s'est fait comment ? Eh bien, c'est fait en dehors de l'Assemblée nationale constituante, par ce que nous appelons en Tunisie al-hiwar al-watani, c'est-à-dire le dialogue national. Le dialogue national. Autrement dit, il y a quatre organisations
nationale dans notre pays, l'organisation des patrons, l'organisation des ouvriers, l'UGTT, la Ligue tunisienne des droits de l'homme et l'Ordre national des avocats de Tunisie, qui ont pris l'initiative. Autour de ces quatre composantes, le quartet, de mobiliser les partis politiques pour trouver une solution aux crises politiques qu'a vécu le pays en 2013, surtout après les assassinats de Chokri Belaïd et de Mohamed Brah. Et c'est ce dialogue national qui a sauvé le pays et qui a trouvé la solution pour sortir de ces crises politiques de 2013. Et maintenant, je reviens à la ligne directrice de mon sujet. Là, ce que nous observons, c'est que des procédures formelles sont dépassées par des procédures informelles, parce que le dialogue national n'est pas une procédure juridique, c'est une procédure politique, c'est une procédure informelle. Ces quatre organisations nationales, dont l'UGTT, qui réunissent autour d'eux les partis politiques pour se mettre d'accord sur une feuille de route. Ça n'a rien de juridique, c'est tout à fait politique. Donc, ce que nous observons, c'est que les procédures juridiques de l'Assemblée nationale constituante sont contournées et dépassées par un phénomène politique informel qui est le dialogue national, et c'est ce dialogue national qui a permis l'élaboration de cette feuille de route, laquelle feuille de route a servi de base à la démission du gouvernement, à la nomination du gouvernement de technocrates et à l'organisation des élections législatives et des élections présidentielles. Mais ces procédures informelles n'ont jamais mis fin totalement aux procédures formelles. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale constituante était toujours là. Elle a voté la Constitution, elle a voté la loi électorale, elle a désigné l'instance électorale indépendante, l'ISI, que préside mon ami Shafiq Sarsar. Elle a fait tout ce travail juridique, mais elle a pu faire ce travail juridique parce qu'elle était aidée et assistée par un travail politique informel, celui du dialogue national. Et vous voyez que j'arrive maintenant à la fin de mon propos et à la conclusion de ce propos. J'espère que je n'ai pas été trop long pour vous dire que, d'un côté, la période transitoire après la Révolution a été rendue possible par le droit, par le jeu de l'ancienne Constitution de 1959. Bien. Deuxièmement, qu'on a voté pour une Assemblée nationale constituante, régulièrement élue, démocratiquement élue, qui a pris le flambeau des procédures juridiques et donc qui a exercé le pouvoir juridique. Mais pour que ce pouvoir juridique existe, et ça c'est la troisième idée, il a fallu inventer de toutes pièces des procédures informelles, des procédures politiques, pour aider cette machine qu'est l'Assemblée nationale constituante, très lourde avec ses procédures, ses modes de scrutin, ses votes, etc., ses commissions, pour l'aider à sortir de la crise. Parce que toute seule, elle n'aurait jamais, elle n'aurait jamais survécu. Si elle avait été lâchée à elle-même, elle n'aurait jamais abouti à rien. Et c'est ce jeu complexe de la continuité du droit et de l'État, la continuité des institutions, la continuité du droit qui explique que le processus transitoire a réussi en Tunisie. Mais il n'a pu réussir que parce que des procédures informelles, des procédures politiques sont venues l'assister, sont venues l'aider. Et ces procédures politiques informelles ont touché même l'intérieur de l'Assemblée nationale constituante grâce à une commission qui s'est constituée de toutes pièces au sein de l'Assemblée et qui s'appelle la commission des conciliations, l'Ajnet At-Tawafuqat. Cette commission de conciliation qui est au sein de l'Assemblée réunissait les partis qui étaient représentés dans l'Assemblée et chacun donnait son avis et ils essayaient d'aboutir à des synthèses. Et c'est grâce à cette commission des conciliations, appelons-la, si vous voulez, entre nous, appelons-la
la commission du consensus, qu'ont pu se réaliser toutes les avancées démocratiques de la constitution tunisienne actuelle. C'est-à-dire la suppression de la complémentarité homme-femme, qui était une idée très dangereuse, refusée par les mouvements féministes, et son remplacement par l'égalité de la femme et de l'homme, en particulier dans l'article 46 de la Constitution. Deuxièmement, la suppression de la référence à l'islam comme religion d'État. C'est la commission du consensus qui a refait le projet de constitution du 1er juin 2013 pour l'adapter et supprimer la formule « l'islam est la religion de l'État ». C'est-à-dire suivre la demande des partis démocratiques. C'est cette commission qui a pu parvenir à supprimer de la Constitution l'atteinte au sacré, la pénalisation du blasphème, etc., etc. Et enfin, c'est cette commission du consensus qui a pu introduire dans la Constitution tunisienne la liberté de conscience. Et je peux vous dire que dans un pays musulman et arabe comme la Tunisie, inscrire dans la Constitution la liberté de conscience relève quasiment du miracle. Et donc, c'est cette commission, c'est l'ensemble, je dirais pour conclure, c'est l'ensemble de ces mécanismes, à la fois juridiques, formels, informels, politiques, à l'extérieur de l'Assemblée, mais également à l'intérieur de l'Assemblée, qui ont réussi à faire en sorte que la Tunisie passe cette très difficile période transitoire dans un calme relatif, je dis relatif, si nous comparons à d'autres pays arabes, comme le Yémen, comme l'Irak, comme la Syrie, comme la Libye, n'est-ce pas ? Donc, un passage dans une tranquillité relative, malgré les assassinats qu'il y a eu lieu, pour aboutir à cette constitution qui est une constitution démocratique. Et nous avons encore un paradoxe en Tunisie, c'est que c'est une constitution démocratique qui a été votée alors que nous avions un parti islamiste au pouvoir. Ça aussi, c'est un paradoxe dont il faut tenir compte et qui fait partie du paysage politique tunisien et qui explique la réussite de la Tunisie. Et donc, en définitive, et c'est par cela que je terminerai mon exposé, dans cette période transitoire qui a suivi la révolution tunisienne, la force du droit a été incontestable. Et c'est grâce à la force du droit que nous avons pu passer d'étape en étape sans discontinuité. Il n'y a jamais eu de vide au niveau de l'État. Donc il y a eu la continuité juridique. Mais, et c'est la deuxième observation, cette continuité juridique n'a été possible que parce qu'elle a été entourée d'un certain nombre de procédures informelles qui l'ont aidée à dépasser ses propres crises. Voilà, je crois que j'ai été trop long maintenant, il faut absolument que je m'arrête. Je vous remercie de votre attention et bien sûr, je suis disposé à répondre aux questions que vous voudrez bien me poser. Je vous remercie. For this wonderful, even perfect presentation. Every now and then I had the feeling, well, now I'm really there. I'm really there. I can feel what they felt. Thank you very much. Thank you. We should